Après Joseph Bédji, en 1990-95, Mustapha Doucouré, 1995-2000, Djidang Bamna Félicien, 2001-2010, Gilbert Koné Kafana, 2013-2023, Adama Bitogo est le nouveau maire de la commune de Yopougon pour un mandat de 5 ans. Le candidat victorieux du parti au pouvoir aux élections municipales du 2 septembre 2023 à Yopougon a été élu maire ce vendredi 6 octobre 2023 dans la salle de mariage de la mairie devenue exiguë pour la circonstance et ce, en présence du préfet d'Abidjan, Gervais Gounou-François, et des conseillers. Sur 75 conseillers municipaux sur la liste, 59 étant présents, l'opposition PPACI, PDCI était absent lors de ce vote. Adama Bitogo a obtenu 55 voix, soit 93,22% du suffrage exprimé et 4 bulletins blancs. Le nouveau maire de Yopougon, Adama Bitogo, citant le nom de ses 8 adjoints au maire, n'a gardé qu'un seul dans l'équipe de son prédécesseur, Koné Kafana. Dans son tout premier discours, en tant que maire de la commune de Yopougon, Adama Bitogo a tenu à remercier les populations de la plus grande commune pour leur confiance en son projet communal. Voilà un peu plus d'un mois que vous m'avez témoigné votre confiance en vous exprimant massivement le 2 septembre. Le 2 septembre, vous avez porté votre choix sur ma modeste personne en adhérant à l'offre que j'ai faite relativement à mon projet communal de Yopougon. Ce soir donc, en venant réaffirmer à travers les conseillers mon élection comme maire de Yopougon, vous venez là d'exprimer non seulement votre confiance, mais pour ma part, vous venez de prendre avec moi un engagement, mais en même temps, c'est un pacte de confiance que nous venons de signer. Pendant la campagne, je vous avais dit que ma candidature à Yopougon traduisait la rencontre d'un homme et d'une commune. Aujourd'hui, j'en mesure pleinement la responsabilité. Je mesure les exigences nées de cette confiance que vous venez de me témoigner. Je mesure l'enjeu. Mais je voudrais vous rassurer, chers frères et sœurs de Yopougon, que vous avez fait le bon choix. Je voudrais vous rassurer que mon équipe et moi-même, dès le lundi, nous serons déjà au travail. Je voudrais vous assurer que les engagements pris lors de la campagne ne sont nullement des effets d'annonce. Parce que comme je l'ai souvent dit pendant la campagne, je m'appelle Hector Adama. Et je voudrais ce soir vous dire simplement merci. Merci non seulement pour le témoignage, pour l'expression de la confiance, mais comme je le dis, c'est surtout votre cœur. Ce cœur que vous m'avez ouvert me va droit au cœur, à moi aussi. Et c'est donc la rencontre de deux cœurs, de deux générosités. La générosité de Yopougon et la générosité de l'homme que je suis. C'est pour cela que notre générosité dans le travail nous permettra ensemble, de répondre aux attentes de la population de Yopougon. Je voudrais pour terminer me réjouir
de la diversité d'ethnie qui compose mon équipe. Cette équipe est l'expression de la Côte d'Ivoire rassemblée, telle que souhaitée par le président Alassane Ouattara. Mais nous irons plus loin. L'expression du cabinet, l'expression de l'appareil de la mairie sera conforme aux attentes des populations de Yopougon. Yopougon est la synthèse de la Côte d'Ivoire. Il faut que notre mairie traduise cette synthèse de la Côte d'Ivoire pour que cette pluralité, cette diversité qui fait la richesse de Yopougon puisse se vivre au jour le jour à travers la mairie de Yopougon. Je serai un maire à votre disposition, disponible aux côtés de tout le monde. Et je serai un maire proche parce que nous serons là, à travers mes adjoints, à travers les conseillers, à travers les membres du cabinet. Nous serons toujours là parce que c'est pour vous que nous sommes là. Mais c'est surtout avec vous que nous allons transformer Yopougon. Chers frères, chers sœurs, je voudrais vous dire merci. Au nom de tous les agents au maire, au nom de tous les conseillers, merci à vous. Merci pour cette confiance. Que Dieu nous accompagne dans cette nouvelle mission. Que Dieu facilite cette mission. Et qu'ensemble, nous passons de Yopougon à Yop City. Monsieur le préfet, merci. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir maintenu cette élection qui a été une belle élection. Je voudrais à travers vous saluer la présidente de séance et toute son équipe qui ont fait preuve non seulement de rigueur, mais de transparence. Je voudrais là encore saluer cet esprit parce que nous avons gagné dans la transparence, dans la clarté, mais je voudrais saluer la maturité de la population de Yopougon parce que les élections se sont tenues dans un climat de fraternité, d'apaisement, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, et ce qui nous divise, c'est le bonheur des populations de Yopougon. Je vous remercie. Il faut retenir que Yopougon, surnommé Yop City ou Poi, est l'une des 10 communes du district d'Abidjan avec une population de 1,511,000 habitants. Yopougon est la plus grande commune, non seulement de la capitale économique ivoirienne, mais aussi du pays.